أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Par ce témoignage, tout est dit. Le sens de la vie. Je pourrais m'arrêter là et la conférence serait terminée. Dès qu'on demande à Allah, le maître du monde, dès qu'on lui on implore son secours et on lui demande de nous guider sur le droit chemin, le chemin de ceux à qui il accorde ses bienfaits et non pas de ceux qui encourent sa colère ou le chemin des égarés. Le sens de la vie. Tout le monde veut avoir le bonheur. Je pense que c'est le premier objectif de chacun. Et pour trouver le bonheur, ça prend d'abord une paix intérieure. Et la paix intérieure est cherchée par tous les moyens. La drogue, la boisson, le sexe, la technologie, nos appareils, nos iPhones, qui souvent sont plus intelligents que beaucoup de parents parce qu'ils contrôlent plus les enfants que les parents peuvent le faire. Alors, tout est contrôlé par la technologie, mais c'est vraiment pas ça qui apporte le bonheur ou la paix. Parce que selon les études de M. Bilal Phillips aux États-Unis, qui est la société la plus moderne, la plus ouverte, la plus libre, là où tout est possible, il y a quand même 20 millions de personnes qui sont toujours sous la déprime. Et qu'est-ce qui fait la déprime? C'est un vide dans la vie. Alors, j'ai découpé un article de journal où un détenu dit au juge, « Madame la juge, je ne viendrai plus vous voir parce que j'ai trouvé Dieu et j'ai trouvé un sens à ma vie. » Parce que depuis ce temps-là, les autres détenus rient de moi quand ils me voient passer avec ma Bible sous le bras. Mais quand ils ont des problèmes ou qu'ils sont déprimés, c'est sur mon lit qu'ils viennent me parler. Alors, un article d'un détenu qui témoigne, qui vient de trouver Dieu et qui vient donner un sens à sa vie. Il dit, « Madame la juge, je ne viendrai plus devant vous. » Parce que maintenant, j'ai compris. Alors, lorsqu'on trouve Dieu, on donne un sens à notre vie. Moi, j'étais tout petite et à l'école, j'étais catholique. Les religieuses, quand elles voulaient nous récompenser, nous donnaient souvent des images. Alors, des images des saints, des images de la Vierge Marie. J'en ai reçu beaucoup. Il faut croire que j'étais une bonne étudiante. J'ai passé aussi beaucoup d'années à l'école. J'ai enseigné pendant 35 ans. Donc, l'école, pour moi, c'est vraiment un lieu de savoir, de rencontre. Et lorsque j'ai reçu une image d'un homme marchant devant un grand mur en rond, l'homme ne voyait pas où il marchait, mais la phrase en bas, « La vie n'est rien d'autre qu'un chemin vers Dieu. » Et j'avais à peine 10 ans ou 12 ans, mais cette phrase est toujours restée imprimée.
Et c'est à l'église, parce que j'étais pratiquante, c'est à l'église que Allah subhanahu wa ta'ala a levé le voile de mes yeux. Ma sœur me parlait de l'islam pendant 3 ans. Elle est arrivée un jour avec le Coran. J'ai dit non, ça c'est pas pour moi. Pas du tout. Moi je suis catholique, c'est la Bible mon livre. Il n'est pas question que je lise ou que je ne veux pas avoir le Coran. Et tout à l'heure, quand j'ai commencé la conférence, j'ai commencé avec la première sourate qui nous demande de la répéter 17 fois dans la journée lors de nos prières. Mais Dieu a toujours été présent dans ma vie. Nos parents étaient des parents religieux. Ils nous ont enseigné ce qu'ils savaient, ce qu'ils pensaient être la vérité. J'étais pratiquante et c'est à l'église, lors d'un texte que j'ai lu sur le Deutéronome, un texte de la Bible, où on dit, Dieu dit à Moïse, « Il n'y a qu'un seul Dieu, ne te fais pas d'image de moi, ni de ce qui est au ciel, ni de ce qui est sous terre. » Et à ce moment-là, après 3 ans de recherche dans la Bible, j'ai compris que les statues qui étaient dans les églises, c'était pour nous les catholiques. À ce moment-là, on était des idolâtres. Parce qu'on change le mot. On n'est pas des idolâtres, on n'est pas des idoles, on a des statues. Mais voyez-vous, juste par la définition d'un mot, je n'étais pas une idolâtre, mais les statues, par exemple, étaient importantes. Alors, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a levé le voile de mes yeux pour me faire voir que j'étais idolâtre, que les idoles faisaient partie de ma religion. Alors, pas longtemps après, je suis allée frapper chez ma sœur et je lui ai dit, « Moi aussi, je veux devenir musulmane. » Je venais de comprendre que l'islam était la religion de pure vérité avec un seul Dieu. Et tout ce que j'avais cherché dans la Bible, ma sœur m'apportait des versets où on racontait exactement, ça ne pouvait pas être différent. Si ça avait été différent, pas certaine que ça aurait eu l'impact que ça a eu, mais par la patience, ma sœur a trouvé le bon chemin. Donc, quand vous parlez de l'islam, quand vous voulez témoigner de l'islam, soyez patient. Et ce n'est pas par beaucoup de connaissances. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que même si je sais une seule sourate, un seul verset, au moins, essayez de la répéter, essayez de le proposer aux autres, essayez de le faire comprendre. Et que c'est dans le cœur d'abord, puis c'est dans notre cœur qu'on finit par savoir si on est des croyants. Et par la réflexion de M. Bilal Philippe, j'ai trouvé où il disait, « Si votre cœur est grand, regardez vos conversations. Dans la journée, combien de fois vous parlez d'Allah? » Si dans vos conversations, vous parlez plus de vos études, de vos projets que d'Allah, vous n'avez pas encore compris que quand l'islam vient dans notre cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui passe en premier. Alors c'est ce que je demande à tout le monde qui sont ici présents musulmans, ouvrez votre cœur à l'islam et tâchez de parler plus de votre religion et d'Allah subhanahu wa ta'ala. On m'avait dit 10 minutes. Je ne sais pas si j'ai fait 10 minutes. Mais j'avais aussi 2 messages qui m'ont bien frappé quand j'ai lu les articles de la presse. Un jeune musulman travaillant dans un dépanneur ne vendait pas de bière dans le dépanneur parce que le monsieur était musulman. Alors, quand on voit dans les titres que les gens posent des actes, des gestes. Il a refusé de vendre de la bière dans son dépanneur et un Québécois est arrivé, a frappé le jeune musulman parce qu'il n'y avait pas de bière dans le dépanneur. Et la professeure, la jeune étudiante, donc la professeure,
lui a dit « Non, il faut absolument que tu portes plainte, il faut dénoncer ses actes, ses agissements. » Alors le jeune musulman a décidé de venir au moins le dire « Oui, on peut avoir des commerces et ne pas vendre de bière et on doit se défendre lorsqu'on est attaqué. » Il y a une autre jeune Québécoise qui veut absolument témoigner en portant son voile. Elle dit qu'elle ne veut pas être tolérée par la société québécoise. Elle veut être respectée, mais c'est en posant des gestes qu'on dénote qui nous sommes. Alors, posons des gestes dans la douceur et dans la patience. Et c'est comme ça que nous pouvons répandre le message, le beau message de l'islam. Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Avant de commencer, je tiens à remercier les frères de l'AMUS, puis les frères qui sont responsables de l'ASI, pour leur invitation, et aussi pour tous les efforts qui font pour la communauté musulmane ici à Sherbrooke ou la communauté musulmane partout dans le monde. Quand j'ai reçu le message du frère Georges Abdul Hakim sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, le sens de la vie et l'islam, ou le sens de la vie dans l'islam, c'est un sujet très important. Parce que c'est le problème qu'on a aujourd'hui parmi les musulmans. Et ce sujet, on ne peut pas le développer dans des dizaines de minutes, malheureusement. Comme j'ai dit, je vais donner des grandes lignes, des grands titres, et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, si on aura l'occasion, après la prière de l'Isha aujourd'hui, on pourra développer ce sujet à la grande mosquée de Sherbrooke avec les frères. Puis aussi, il y aura la traduction pour les frères non arabophones qui va être assurée par les frères. Mais comme j'ai dit, je vais profiter de donner quelques grands titres sur ce sujet. Il faut savoir, chers frères et chères sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour un but bien précis. Et la personne douée d'intelligence, il va chercher avec sincérité, si Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, veut le guider, la réponse à cette question est de comprendre le sens de la vie. Et pour comprendre ce sens de la vie, il faut chercher dans une information ou dans une source divine qui est authentique. Et franchement, j'ai trop apprécié le discours, le témoignage de la sœur Yolande, parce qu'elle a bien expliqué la définition du bonheur que toute personne, que ce soit musulmane ou non musulman, cherche à avoir dans la vie d'ici-bas. Mais le vrai bonheur est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'appliquer les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je vais faire une continuité de ce que la sœur a dit comme ça. Je vais profiter de mes 10 minutes et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on développera plus le sujet d'aujourd'hui. 20 minutes. 20 minutes. Barakallah. Donc la sœur, elle a parlé de la définition du bonheur. Moi, je vais revenir et répondre à certaines questions que la majorité des gens, que ce soit musulmans ou non musulmans, ont de la misère à répondre. La première question, la raison de la création. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés? C'est une question facile que tout le monde est capable de répondre. Mais la réponse se résume dans un seul verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, certes, je ne ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. Maintenant, ça reste à définir le terme de l'adoration. Comment peut-on définir le verbe adorer?
L'adoration, chers frères et chères sœurs, ça ne se limite pas dans les cinq piliers de l'islam, qui sont bien sûr la prière, ou tout d'abord l'attestation de foi, c'est-à-dire d'attester qu'il y a un seul Dieu unique, son associé, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, son prophète, et bien sûr faire la prière, faire la zakat, jeûner le ramadan, et faire le pèlerinage dans la mesure du possible. Donc, ces piliers de l'islam, ces objectifs-là, pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, ça ne se limite pas dans ces cinq piliers. On peut trouver une adoration lorsqu'on se réveille. Il y a une façon bien précise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment l'adorer. Lorsqu'on parle avec nos frères, nos collègues dans le travail, la façon comment on transmet le message, la façon comment on mange, la façon comment on marche, la façon comment on regarde les gens, la façon de penser, la façon de lire, la façon de méditer, plein de choses que je peux citer dans mes 20 minutes, rentre dans ce point ou rentre dans la définition de l'adoration. Donc, l'adoration est un grand sujet sous lequel on peut définir plusieurs termes qui rentrent dans ce grand principe qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il y a des obligations, il y a des choses qui sont surrogatoires, c'est-à-dire qui sont, on peut les appeler, optionnelles. Et bien sûr, comme j'ai dit, je vais donner des grands titres, puis Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va les développer. La première des choses, c'est de savoir notre Créateur. C'est qui nous a créés? Comment il est? Pourquoi il nous a créés? Est-ce qu'il nous a créés juste pour vivre et mourir, puis par la suite, on va se transformer en sable, en terre, puis il n'y aura pas de jugement en dernier. Ou bien il nous a créés pour un objectif bien précis. Subhanallah, avant de venir, le vendredi passé, c'est-à-dire, le jeudi passé avant-hier, à l'Université Laval, il y a une personne qui s'est suicidée au pavillon parent de l'Université Laval. Et j'attends avec impatience le journal qui va sortir le lundi prochain pour savoir les raisons pour lesquelles cette personne a pu faire cet acte. Le suicide, ça veut dire que la personne a essayé deux choses. Soit il a pu arriver à son objectif qui est le bonheur, puis au fin de compte, il a compris que ce n'est pas ça le vrai bonheur, le bonheur qu'il cherchait. Ou bien, il a passé ses années, des années et des années à chercher ce bonheur, puis à la fin, il n'a pas pu l'obtenir. Dans ces deux cas-là, pour cette personne qui est non-croyante, la seule solution est le suicide, malheureusement. Donc, quand on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, quand on suit ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire, et bien sûr, je ne citerai pas les versets dans le Coran, ainsi que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mettent en valeur la vie de la personne ou la vie de l'être humain en général, pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il faut l'adorer de la façon comme lui il veut, et non de la façon comme nous on le veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran que celui qui s'égare de son droit chemin aura une vie pleine de problèmes, plein d'obstacles, parce que le bonheur
et dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bonheur est dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, ce point, ça reste à le développer bien comme il faut. Mais je passe au deuxième point, qui est de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, que celui qui l'a guidé, il doit l'éprouver. Donc la personne qui est non musulmane ou la personne qui est musulmane et qui veut mettre ses pieds sur le droit chemin pour aboutir au paradis, dans l'au-delà, il doit savoir que ce chemin, il n'est pas plein de fleurs, mais il est plein d'obstacles. Et ce, pour une raison de savoir qui est le sincère, le véridique, et de savoir qui est le menteur. Donc, certes, Allah subhanahu wa ta'ala va nous éprouver pour savoir si on est vraiment sincère, de chercher ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous dans la vie d'ici-bas pour aboutir au paradis dans l'au-delà. Troisième point, être fier de notre religion. Être fier de ce qu'on est. Être fier de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. On doit dire à tout le monde qu'on est les seuls dans ce bas monde qu'on atteste qu'il y a un seul Dieu, unique, sans associé. Et que Mohammed et que tous ses messagers qui étaient avant lui sont ses prophètes et ses messagers. Et on croit à tous les livres avant le Coran. Et celui qui ne croit pas à un seul prophète est égaré de ce droit chemin. Mais la question qui se pose, et je répondrai bien sûr à cette question pour que je vous donne un peu de suspense pour assister, inshallah subhanahu wa ta'ala, à la leçon après la prière de l'Isha. Comment être fier de cette religion? Il y a un seul chemin, chers frères et chères sœurs, et la science. Comme le frère Abdel Hakim, il a commencé son discours, il a dit que l'objectif de l'association est d'enseigner les jeunes musulmans à apprendre cette religion. Et l'apprentissage de cette religion se fait en se basant sur deux sources. Le Coran du prophète, le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ajoute un troisième point qui est très important, l'interprétation, que ce soit des versets ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, pour avoir cette fierté et pouvoir être patient et endurant dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir la science. Il faut chercher ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous dans cette vie, dans la vie d'ici-bas. Parce que le jour du jugement dernier, ça sera la fin, toutes nos bonnes actions seront comptées, toutes nos bonnes actions, on ne peut plus ajouter ni soustraire. Et quand on médite au jour de la résurrection, on remarquera que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment médité dans les sourates où Allah subhanahu wa ta'ala parle du jour de la résurrection et il a tiré des leçons pour ses compagnons. Et bien sûr, à travers les compagnons, toute la communauté qui va venir après. Donc le fait de dire qu'il faut apprendre cette religion, il faut être endurant, il faut être patient. Parce que le problème de nos jours, malheureusement, c'est qu'il y a une très grande distance entre le Coran, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la mise en pratique
de ces deux sources. Malheureusement, on écoute beaucoup, mais on applique vraiment peu. Donc, comment on peut appliquer le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir le bonheur que toute personne cherche dans la vie d'ici-bas? C'est une réponse, inshallah subhanahu wa ta'ala, qu'on va répondre après. Et aussi, savoir chercher la source qui va nous guider et s'informer et endurer et transmettre le message, comme la sœur Yolande a expliqué, avec sagesse, avec politesse, avec miséricorde, pour que la personne qui reçoit le message puisse méditer au message qu'on a transmis. Et aussi, c'est un grand problème qu'on vit malheureusement dans nos jours, c'est que même les gens qui portent la parole pour guider les musulmans ou les non-musulmans transmettent le message avec une façon qui est égarée de la façon comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, ou les compagnons après lui ont suivi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens, bien sûr, guide ou invite les gens au sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse et patience et endurance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mieux celui où Allah subhanahu wa ta'ala guide qu'il veut et égare qu'il veut. Bien sûr, c'est un point qui reste à développer pour bien comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que j'aurais terminé, mais... Donc, le premier point, on fait une petite récapitulation, c'est de répondre à certaines questions, que ce soit on est des musulmans ou on est des non-musulmans. Le dogme, chers frères et chères sœurs, est un mode de vie. Quand je dis le dogme, c'est la croyance. Et quand je dis la croyance, c'est une parole qui se dit avec la langue, et qui s'installe dans le cœur et qui se transmet dans les gestes, avec ce qu'on fait quotidiennement. Parce que la langue est comme une cuillère. Elle cherche les phrases dans le cœur. Si le cœur il est plein de croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, plein de foi en Allah subhanahu wa ta'ala, si on a une foi ferme en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr que nos paroles qui vont sortir vont satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier point, c'est le dogme et la façon ou le mode de vie de l'islam, comment vivre l'islam et comment l'appliquer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appliqué ainsi que ses compagnons. Le deuxième point qui est de la façon comment on transmet ce message. Maintenant, on a appris la science. Parce que la science, quand je dis la science, probablement qu'une personne va me poser la question en disant « Mais la science n'est pas obligatoire pour nous d'aller chercher la jurisprudence et de la comprendre, d'aller chercher l'interprétation du Coran et de la comprendre, mémoriser le Coran, mémoriser les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Il va me dire que toutes ces choses ne sont pas obligatoires. Oui, mais il y a des points que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, il va nous poser la question. Est-ce que le Coran, tu l'as lu dans la vie d'ici-bas ou non? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que tu as gagné? Donc il faut avoir une réponse à toute question.
Et bien sûr, il y a des hadiths qui expliquent les questions qu'Allah subhanahu wa ta'ala va poser à son serviteur le jour du jugement dernier, et parmi lesquels la croyance, c'est-à-dire comment tu as cru en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à son unicité, à ses attributs, ses noms, subhanahu wa ta'ala, et aussi l'argent que tu as gagné, et comment tu t'es comporté avec les cinq piliers de l'islam, la prière, le jeûne, le ramadan et le pèlerinage aussi. Le problème aussi de nos jours, ou le deuxième point, qui est la deuxième étape, si on endure dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, si la personne endure dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va passer à une deuxième étape, qui est la dégustation de l'islam. Je veux dire par ce mot que tu vas goûter le goût ou le bonheur. Tu vas goûter la beauté de cette religion. Parce que le problème, on voit que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire comme des obligations. On voit toujours que la prière est une obligation. Mais on ne voit pas que la prière est un contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une façon de parler avec Allah. D'ouvrir le Coran et de lire et de voir que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, c'est un message qui s'adresse pour moi et pour toi. Il faut bien le comprendre. Il faut bien l'appliquer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appliqué. Et si on endure dans cette étape, on passera certainement au deuxième degré qui est la croyance, l'iman. La première étape, la première étape qui est l'islam avec ses cinq piliers, et la deuxième étape qui est la croyance, l'iman, avec ses six piliers. Et si on endure encore plus dans cette deuxième étape, on passera à l'ihsan, qui a une définition très importante. Et la traduction de l'ihsan est la bienfaisance. La bienfaisance, chers frères et chères sœurs, est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voit. Mais si on ne le voit pas, lui, il nous voit. Ça, c'est une chose qui est très importante, de remarquer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voit, c'est impossible. Dieu, on va le voir, inshallah subhanahu wa ta'ala, et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'on sera parmi ce groupe sauvé et qu'on regardera le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis avec les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut avoir la croyance et être sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on le verra. On va le voir, inshallah subhanahu wa ta'ala, dans le paradis, comme c'est cité dans un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'ihsan, ou la bienfaisance, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini, est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voit. Mais par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, et si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Bien sûr, on peut tirer de ce troisième point des choses qui sont très importantes, qui sont que il faut savoir que la personne doit toujours surveiller Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit entre ses frères, mais surtout quand il est seul. Il doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala le surveille, que Allah subhanahu wa ta'ala l'entend, que Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui. Et je reviens et je fais la liaison avec le sujet d'aujourd'hui,
pour dire que une personne musulmane qui fait son travail, ou un jeune étudiant qui passe son examen, il doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala le surveille. Donc il va chercher à faire des efforts. Il va chercher à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et réussir avec la communauté musulmane et de lever le drapeau de cette communauté et de suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme lui il l'a tracé. Donc tous ces trois points ou tous ces points qu'on vient de citer rentrent dans l'importance de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés que pour une raison simple, qui est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'adoration, chers frères et chères sœurs, comme j'ai dit, ça ne se limite pas dans ces trois degrés qui sont l'islam, la croyance et la bienfaisance. Malheureusement, la majorité de la communauté musulmane se trouve dans la première degré, dans la première étape, dans l'accomplissement de la prière, dans le jeûne de Ramadan comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire, et de chercher à comprendre l'islam comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a compris pour aboutir à la troisième étape qui est la bienfaisance et être auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier. Donc, je vous donne un rendez-vous, inshallah subhanahu wa ta'ala, après la prière de l'Isha, aujourd'hui, à la grande mosquée de Sherbrooke, pour expliquer plus et donner plus de détails et de donner un programme à suivre, une façon comment appliquer et de vivre l'islam et de l'appliquer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appliqué. Pour un, satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Deux, être parmi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. Et trois, de goûter le bonheur, le vrai bonheur de cette religion. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide vers son droit chemin. Et je remercie une deuxième fois les frères responsables de cette communauté, que ce soit dans l'association des étudiants musulmans de Sherbrooke ou le centre culturel islamique de l'Estrie. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne et qu'il nous donne la sincérité dans nos paroles et nos gestes et nos intentions. Et jazakumullah. Alors bon, pour continuer disons le cours des présentations, donc j'ai invité le frère ici. Dans les affiches, on disait mon l'ancien gars de la rue, mon l'ancien hustler. Donc, tout d'abord, dans un premier temps, j'ai juste demandé que tu viennes ici te présenter. Et le technicien, il te réserve une surprise. Donc, tu pourras le dire de faire passer, disons, la vidéo par la suite. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alayhi salat salam ala rasulillah. Premièrement, je voudrais remercier le frère Abdul Hakim et puis tous ceux qui travaillent avec lui dans le chemin d'Allah de m'avoir invité ici, parce que le prophète alayhi salat salam dit que si on ne remercie pas les gens, on n'est pas vraiment sincère envers Allah. Aujourd'hui, j'ai entendu le beau témoignage de la sœur Yolande et puis la conférence de l'imam Tariq. Et puis les deux ont parlé de bonheur. Ils ont beaucoup parlé de bonheur. L'être humain est toujours à la recherche du bonheur. Pourquoi est-il à la recherche du bonheur? Parce que le père des êtres humains, Adam alayhi salam, était au paradis. Et puis est descendu sur la terre après. Donc, le bonheur est quelque chose et un sentiment ancré dans chaque être humain. Chaque être humain est à la recherche de son propre bonheur. Moi, aujourd'hui, je vais partager avec vous le cheminement que j'ai fait vers ce bonheur-là.
Je suis né à Montréal. Je suis né à Montréal. Mon père est haïtien, ma mère est suisse-allemande. Et puis, avant 15 ans, j'avais une enfance normale. C'est juste à 15 ans, j'ai commencé à être un peu révolté. Et puis, j'ai remarqué certains jeunes à l'école qui, eux autres, ils recherchaient leur bonheur. Ils ont trouvé leur bonheur dans... ils buvaient un peu d'alcool et puis... c'est ça, ils buvaient un peu d'alcool et puis ils prenaient un peu de drogue. Et puis, je trouvais que de loin, je voyais comme quoi qu'ils étaient heureux, comme quoi qu'ils avaient un bonheur que je n'avais pas, parce que j'étais à la recherche de bonheur. Donc, j'ai commencé à me tenir avec eux. Et puis, en me tenant avec eux... Oui. Ah, OK, OK, Inch'Allah. OK, le technicien. Ah. Mes péchés ne me pleurent plus, mes larmes se lassent sur le tapis du sang d'esclave. Le soleil se meurt, mes rares œuvres en mine basse. Bienvenue dans la street réglementation stricte, où des actes tristes amènent la police district. Attristé par la vie, attiré par le vice, regard fixe vers le vide, tel un almo ravide, un moral avide. L'anarchie me ravit, l'autorité me ravise. 1, 2, 3 avis, 3, 2, 1, let's go. Je deviens vite un escroc, sur les traces d'Escobar. Les gens deviennent mes cobayes, à la une des faits d'hiver. Une journée d'été, hiver, été comme printemps. Je pense qu'à faire de l'âge. Vous venez de voir un petit bout de mon passé. Et puis, donc je vais résumer un peu, c'est ça, le parcours que j'ai eu vers... vers le bonheur. J'étais rendu qu'à 15 ans, j'ai commencé à me tenir avec des gens qui faisaient un peu la fête. Et puis, le fait de m'avoir entouré avec ces gens-là, qui n'étaient pas vraiment les meilleures personnes, m'a amené à faire des mauvaises actions. Et puis, ces mauvaises actions-là m'ont mené au centre d'accueil. Le centre d'accueil, pour ceux qui ne savent pas vraiment c'est quoi, c'est la prison pour les moins de 18 ans. Et puis, justement, en plus, je parlais de ça. J'étais à 15 ans, c'est juste une parenthèse. À 15 ans, j'étais au centre d'accueil et puis j'étais là, j'avais pas de date pour sortir, comme j'avais, je sais pas, comme je devais rester là pour un mois ou deux mois, je devais rester là jusqu'à indéterminé. C'est eux qui avaient contrôle sur ma vie. Je pouvais sortir peut-être à 18 ans, puis pour moi, juste 3 ans comme ça dans le centre d'accueil, c'était une grosse affaire. Donc, moi-même, juste en pensant que je pouvais rester là 3 ans, et puis, pour de vrai, j'avais une chambre, j'avais à manger, j'étais tout correct. Mais juste le fait d'être là, dans cette place-là, en prisonnier, je ne pouvais même pas y penser de rester là 3 ans. Et puis, j'ai juste ouvert une parenthèse parce que ça m'a fait penser, parce que j'ai parlé à des frères hier, des jeunes, et puis c'est juste parce que si on va en enfer... c'est même pas 3 ans. Si on va en enfer, c'est éternel. Et puis, c'est juste ça, c'est parce que beaucoup de gens ne prennent pas en considération c'est quoi vraiment le mot éternel. Éternel, c'est très, très long. Si moi-même, dans une place qui était quand même pas comparable avec l'enfer, que je pouvais même pas m'imaginer de rester là, 3 ans, même pas à m'imaginer de rester là 2 ans, qu'est-ce qu'il y en est pour l'enfer? Donc, je vais fermer les parenthèses. Parce que j'ai pensé que je n'étais pas capable de rester là, je me suis enfui de cette place-là. Après ça, il y a eu des péripéties, tout ça. À 18 ans encore, je me suis mis encore dans les problèmes. À 18 ans, j'étais adulte, donc on m'a emprisonné là pour 2 ans. En prison, j'ai appris une nouvelle mentalité.
Les gens qui étaient là, parce que comme à la mosquée, on rencontre des gens pieux en prison, mais il y a juste des mauvaises personnes, il y a des criminels. Puis eux autres, ils ont une autre mentalité. Donc, en prison, j'ai appris que le bonheur se trouvait dans l'acquisition de biens matériels, que le bonheur se trouvait dans l'argent. Et puis ça aussi, c'est une autre affaire triste, parce que moi, j'ai appris ça en prison, mais la plupart des gens pensent comme ça. La plupart des gens, ils vont à l'école, ils étudient, et puis ils pensent, un jour, je vais avoir ce travail-là, et puis je vais avoir assez d'argent, je vais pouvoir m'acheter une maison, je vais pouvoir m'acheter une auto, et puis là, je vais être heureux. C'est comme ça que la plupart des gens, ils pensent, qu'ils soient non-musulmans ou musulmans. La plupart des gens pensent comme ça. Et puis ça me rend vraiment triste, le fait que je vois certains musulmans qui pensent comme ça, parce que vraiment, ce n'est pas la façon qu'on devrait penser. Et puis, pendant mon incarcération, c'est là que j'ai fait le premier contact avec l'islam. Il y a un frère, dans ça-là, je ne savais pas que c'était un frère, mais il y a un frère qui est venu me voir dans ma cellule, et puis il m'a présenté le Coran, et il m'a dit « ça, c'est un livre que je devrais lire ». Ça, c'est un livre. Il m'a montré l'importance du livre. Il m'a dit, ça, c'est un livre que je devrais lire. Et puis, il m'a expliqué un peu, il m'a expliqué comment faire le wudu, mais dans cela, je ne savais pas que c'est le wudu. Il m'a dit, il faut que je lave mes mains, il faut que je lave mes pieds pour, avant de le toucher, tout ça. Donc, le soir, j'ai fait un peu comme il m'a montré, laver mes mains, laver mes pieds. Il ne m'a pas tout montré les étapes, donc mais j'ai fait ça, alhamdoulilah, et puis j'ai commencé à le lire. Moi, je venais d'une famille chrétienne, et puis j'étais chrétien, mais j'étais ouvert à tout. J'ai lu un peu le Coran, mais à 18 ans, ça l'a juste pas rentré. Je sais pas, ça l'a juste pas rentré. Donc, j'ai refermé le livre, et puis le lendemain, je lui ai redonné. Donc, ça, c'était mon premier contact avec l'islam. Après, quand j'ai été libéré de la prison, j'ai continué vers le chemin du bonheur. Donc, c'était dans l'acquisition des biens matériels et de l'argent. Pour moi, ce chemin-là a fonctionné. Pour certaines personnes, c'est quelque chose qu'ils aimeraient. Peut-être parce qu'une fois qu'on touche justement le luxe, une fois qu'on touche les biens matériels, une fois qu'on touche ce style de vie-là, en même temps, c'est une malchance parce que c'est très, très difficile de s'en séparer après. Et puis, ça prend tellement une grosse importance dans notre cœur qu'on oublie Dieu, on oublie Allah. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, peut-être que c'est une bonne chose, mais peut-être aussi que c'est une mauvaise chose. Moi, pour moi, ça a bien fonctionné. Dans toute ma vie, j'ai quand même fait plusieurs millions, et puis je me suis acheté la plupart des grosses voitures que les gens veulent. J'ai vécu la vie que beaucoup de jeunes et de moins jeunes rêvent à avoir. Jamais allé dans les gros restaurants, jamais flasher, comme on dit, là, avec les voitures. Dépenser de l'argent, m'habiller de grosses marques, aller dans les places « in », comme certaines personnes disent. Donc, j'ai vécu cette vie-là pendant 10 ans. La seule affaire, c'est qu'au début, c'est un peu excitant. Au début, on pense qu'on a trouvé le bonheur. Au début, on pense que là, je vis la vraie vie. Mais c'est juste qu'après un certain temps, quand ça devient routinier, quand le soir, on se retrouve tout seul à la maison, et puis on n'a personne à impressionner, personne... Oui, on est bien, on est confortable dans tout le matériel qu'on est, mais être confortable, ça ne remplit pas le manque qu'on peut avoir dans notre cœur. Donc, le fait qu'il manquait quelque chose dans mon cœur a fait que même avec tout ce que j'avais, j'étais un peu même, on peut dire, un peu dépressif. J'étais pas heureux. J'ai commencé à boire, je buvais à chaque jour pour combler justement. On essaie de patcher comme les trous, on essaie de trouver le bonheur dans quoi que ce soit. Peut-être je me disais, peut-être j'ai besoin de plus d'argent. Donc vraiment,
j'avais mis mon emphase vraiment sur l'argent. J'aimais vraiment beaucoup l'argent. J'aimais tellement l'argent que j'ai fait tatouer un tatou sur ma tête, « Get money ». Comme vraiment, je parlais à chaque personne que je parlais, c'est vraiment, je parlais d'argent. Mais ça aussi, c'est une autre chose qui me rend triste maintenant. Maintenant que je suis devenu musulman et puis que je sais la vérité, je vois des musulmans qui ont le même tatou que j'ai sur ma tête. Ils ont le même tatou, sauf que leur tatou n'est pas sur leur tête, il est sur leur cœur. Et puis ça, vraiment, c'est des choses qui me rendent vraiment, vraiment, vraiment triste. Pour continuer, j'étais chez moi et puis j'ai commencé à vraiment remettre ma vie en question. J'essayais de réfléchir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour être heureux. Je n'arrivais pas à trouver. Donc, dans le cours de ma vie, je me suis fait prendre dans les actions que je faisais et puis j'ai été incarcéré une deuxième fois. La deuxième fois que j'ai été incarcéré dans un aile de la prison, c'est l'aile de maximum. Et puis dans ce temps-là, ils avaient arrêté un réseau de mafia italienne. Et puis ils m'ont mis justement dans cette même aile-là. Et puis j'ai commencé à parler avec certaines personnes parce que même les stars qu'on voit à la télé, eux aussi, ils ont des personnes qui regardent. Ils ont comme, on peut dire, des idoles. Même les stars. Donc, même moi que le monde me voyait dans la rue et m'enviait, même moi, je voulais être encore plus, je voulais faire encore plus d'argent. Moi-même, j'avais d'autres buts. Donc, j'ai rencontré des personnes à qui que je pouvais regarder et puis qui faisaient encore plus d'argent que moi. Eux autres, ils me racontaient des histoires que des fois, en une journée, ils dépensaient 100 000 $ au casino. Ils ont dépensé tellement d'argent au casino, comme quoi que le casino même leur achetait des voitures. Et puis, eux autres, ils n'avaient pas la religion. Mais je me rappelle qu'ils me disaient qu'ils ne se sentaient pas heureux. Qu'en sortant, qu'ils allaient tout laisser ça tomber. Qu'ils allaient commencer à faire leur vie dans le chemin droit. Ils n'avaient même pas la religion. Donc ça, vraiment, ça m'a commencé à vraiment encore me mettre encore plus en considération. Ça m'a aidé à méditer encore plus. À la fin de ma sentence, j'ai partagé ma cellule avec un frère musulman. Ça, c'était mon deuxième contact avec l'islam. Il a commencé à me parler de l'islam, parce que le premier, il ne m'a pas parlé de l'islam, il m'a juste montré le Coran. Lui, il a commencé à me parler de l'islam, et puis à me parler du prophète, alayhi salatu salam. Il m'apprenait quelques mots en arabe. Et puis, j'étais vraiment intéressé. Je lui posais beaucoup de questions. Dommage pour moi, c'était bien pour lui, mais il a été libéré. Et puis, il a dit qu'il allait m'envoyer un Coran. Il est peut-être arrivé quelque chose, mais je n'ai jamais reçu ce Coran-là. C'est là où ce que ma faim pour la vérité s'est estompée, parce que toujours j'étais chrétien. Quand je suis sorti, quelques mois après que je suis sorti, j'ai rencontré une femme, maintenant c'est ma femme. J'ai rencontré une femme et puis ses parents, ils m'ont parlé de l'islam et puis ils m'ont dit, parce qu'elle était musulmane, ils m'ont dit comme quoi que je devrais m'informer sur l'islam, que je devrais apprendre l'islam. Et puis moi-même, j'ai décidé après de faire des recherches. J'ai commencé à lire le Coran. Et puis dans le Coran, cette fois-ci, là, j'ai compris, j'ai vu que l'histoire ressemblait beaucoup à l'histoire dans la Bible. J'ai vu qu'on parlait des mêmes prophètes. Il y avait le prophète Moïse, alayhi salam, il y a le prophète Adam, alayhi salam, Jésus, alayhi salam. J'ai vu les mêmes histoires. Donc c'était facile pour moi d'accepter cette religion-là. La seule affaire qui me dérangeait vraiment, parce que j'étais chrétien, et puis je croyais que le Fils de Dieu, c'était Jésus. Et puis, en étant chrétien, j'étais chrétien protestant, en étant chrétien, si on croit ça, eh bien, on va au paradis. On croit que le Fils de Dieu, c'est Jésus, on peut voler, on peut mentir, on peut faire n'importe quoi, et puis on va au paradis. Ça, c'est la croyance que j'avais.
mais j'y croyais fort. Donc, dans l'islam, j'étais prêt à accepter tout, mais je n'étais pas prêt à accepter que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Donc, il a vraiment fallu que je fasse vraiment des recherches. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a peut-être facilité? C'est parce que je n'étais pas vraiment au courant de qu'est-ce qui se passait. Oui, j'ai entendu des choses dans les médias un peu mal contre l'islam, mais j'ai vraiment effacé ça de mon cerveau et puis j'ai juste utilisé mon cerveau, la logique. Allah nous a donné tous un cerveau à chacun de nous et il est là pour l'utiliser et on doit réfléchir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai continué mes recherches. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est le livre de Maurice Bucaille. C'est « La Bible, la science et le Coran ». Et puis, dans ce livre-là, ça explique comme quoi que la Bible elle a été modifiée par les humains. Et puis, ça montre aussi les miracles scientifiques du Coran, tout ça. Donc, avec ce livre-là, ça m'a fait rappeler comme quoi, quand j'étais en prison, j'ai lu la Bible au complet. Et puis, je me rappelais que certains moments, quand je lisais la Bible, un exemple, il y avait peut-être une histoire dans Marc, et puis il répétait la même histoire dans Luc, mais même dans la Bible, il y avait comme des erreurs, ça ne disait pas la même chose. Là, juste pour savoir, je retournais, puis là, j'ai vu, ben oui, il y a une erreur. Mais là, après, je me suis dit, mais c'est le livre de Dieu, donc je dois avoir la foi, c'est comme ça. Et puis, je refermais le livre, la Bible. En lisant ce livre-là de Maurice Bucaille, j'ai réalisé vraiment comme quoi que vraiment c'était vrai que la Bible a été modifiée par les humains. J'ai vu beaucoup de preuves aussi scientifiques avec le Coran et que la Bible ne coordonnait pas avec la science. Et c'est là aussi, après mes recherches, après mes mêmes recherches, que j'ai accepté de faire la shahada. Donc, je suis allé à la mosquée, j'ai fait la shahada, et puis j'ai décidé quand même de laisser mes activités et puis d'aller dans le droit chemin. C'est là où j'ai eu une leçon de la vie, que même si on pense avoir fait quelque chose avant et puis que c'est passé, que ça peut nous rattraper. Donc, 3 jours après que j'ai fait la shahada, ma mère m'a appelé et puis elle m'a dit comme quoi que la police me recherchait. J'ai appelé mes avocats, je leur ai dit la situation et puis ils m'ont dit comme quoi que je devais me rendre à la police. Donc, ils voulaient que je me rende le même jour. J'ai dit, on va attendre en fin de semaine. Et puis, lundi, je vais me rendre à la police. Donc, j'ai fait mes préparations, tout ça, et puis préparation mentale. Et puis, je me suis rendu à la police, mais c'était la première fois que je rentrais en tant que musulman. J'ai même fait un sac, j'avais amené mon tapis de prière, même si je n'avais jamais fait la prière avant, puisque je venais de me reconvertir. Je ne savais même pas comment faire la prière. J'ai mis le Coran, tout ça. Donc, c'est ce que j'ai amené pour aller en prison. Rendu en prison, ils ne m'ont pas donné ces choses-là, mais c'est là que j'ai rencontré, encore une fois, j'ai rencontré des frères. Et puis, en prison, cette fois-ci, pour moi, ce n'était pas la prison. Pour moi, c'était comme une école islamique. Parce que du jour, du matin jusqu'au soir, il y avait comme un frère, je ne sais pas, Allah, il l'a mis sur mon chemin, vraiment. C'est un bienfait d'Allah, parce que lui, il avait pour mission de m'apprendre le plus sur l'islam. Et puis, du matin jusqu'au soir, il faisait juste me parler d'islam, il m'apportait des livres, tous les livres qui étaient possibles. Il dit, pose-moi des questions. Ils m'ont appris à prier. C'est là où j'ai appris les premières sourates. Et puis vraiment, c'est là la première fois que j'ai prosterné ma tête sur le plancher. Et puis, mais en même temps, Allah, il a mis un test. Parce que avant, quand j'étais à la recherche de l'argent, à la recherche du bonheur dans l'argent, j'avais pensé à des plans pour avoir de l'argent et puis il me fallait certains contacts. Le fait, dans ce temps d'incarcération, j'ai rencontré tous les contacts qui me manquaient. Donc, j'ai même pris les numéros, tout ça. Et puis en sortant, j'avais le choix. J'avais un choix, soit j'appelle ces personnes-là, et puis,
j'aurais pu faire des gros montants d'argent, ou bien je m'en vais dans le chemin de l'islam, le chemin d'Allah et du prophète alayhi salat wa salam. J'ai resté là en prison un mois et puis je suis sorti sur caution le jour avant le Ramadan. Donc pendant un mois, j'ai pas mangé j'ai mangé de la nourriture vraiment pas bonne et puis je suis sorti et puis le lendemain, il fallait que je mange pas pendant un mois. Donc au début, je pensais que ça allait être compliqué, mais alhamdoulillah, ça s'est bien passé. Et puis c'est là aussi la première fois que j'ai fait la prière derrière un imam à la mosquée. Parce qu'avant ça, je n'avais jamais prié. Et puis, quand j'avais prié en prison. Et puis, c'est la première fois que je suis allé prier en arrière d'un imam à la mosquée. Et puis, c'est à ce moment-là, après avoir prié à la mosquée, et puis que j'ai mis ma tête sur le plancher, mon front sur le plancher, j'ai senti quelque chose, que tout l'argent que j'ai dépensé, que toute la vie de luxe que j'ai vécue, toutes les voitures, toutes les gens qui m'enviaient, tout ça, qu'est-ce que j'ai vécu là, j'ai rien senti de tel dans mon cœur. C'est comme un apaisement que j'ai eu, une paix intérieure, un bonheur intérieur. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé, j'ai fait mon choix d'aller dans le chemin de l'islam, dans le chemin de Allah et de suivre le prophète alayhi salat wa salam. Et puis, ce même soir-là, c'est là que j'ai fait ma première rencontre avec les frères. Et puis ces frères-là, ils m'ont vraiment entouré et ont été vraiment une grande aide. Qu'Allah les aide et qu'Allah les bénisse dans mon cheminement. Donc, la question est, la plupart des gens, ils mettent leurs priorités à la mauvaise place. Je ne suis pas là pour dire, soyez pauvres, même si tous les prophètes étaient pauvres. Et puis, les pauvres ont rentré au paradis 500 ans avant tout le monde. Je ne suis pas là pour dire d'être pauvre, mais je suis juste là pour dire un rappel, pour remettre nos priorités à la bonne place. Oui, il faut, en tant que musulman, aller à l'école, étudier, être les meilleurs dans ce que l'on fait, être les meilleurs au travail. Pourquoi? Parce que c'est une forme de dawa. Pourquoi faire la dawa? Parce que les gens qui ne sont pas musulmans, on sait où ça va mener. Et puis c'est vrai, il va y avoir un jour du jugement. Il va y avoir un jour du jugement. Ça aussi, c'est quelque chose que je savais. Dans la Bible, ça a écrit, oui, le jour du jugement, tout ça, mais je ne savais pas que chaque bonne action, aussi petite qu'un atome, et chaque péché aussi petit qu'un atome, va être compté, va être mis dans une balance, qui va être la décision pour nous si on va aller au paradis éternel ou en enfer éternel. Vraiment, ça, c'est quelque chose que moi, je ne savais pas avant. Et puis ça, c'est un bienfait pour les gens, pour vous, la plupart, pour ceux qui sont nés musulmans. Vous êtes nés avec cette connaissance-là. Vous vous fâchez. Vous savez quoi faire. Aussi simple que ça. Vous savez ça. Tandis qu'il y a des millions de personnes qui n'ont aucune connaissance de ça. Moi, avant que je connaisse l'islam, ma vie n'avait aucun sens. Je ne savais pas. Je pensais juste manger, dormir, vivre, dépenser. Mais ce n'est pas une vie, ça. Maintenant, je ne peux même pas m'imaginer une journée sans avoir le contact avec Allah. Comment on peut s'imaginer d'avoir une journée sans être en contact avec le Créateur des univers, notre Créateur? C'est lui qui a notre âme. C'est lui qui a écrit notre destin 50 000 ans avant la création de la terre. Comment pourrais-je même penser qu'une journée, je ne pourrais pas lui parler? Non, c'est pour ça que chaque musulman, on doit le rencontrer 5 fois par jour. Pourquoi on est sur terre? On est sur terre pour adorer Allah. Moi, avant, j'avais aucune connaissance de ça. Et puis, il y a
beaucoup, des millions de personnes qui sont comme moi, que j'étais avant, dans le néant. Ils vivent, mais ils ne savent pas quoi faire. C'est pour ça que chaque musulman, on doit faire la dawa. On doit aider ces gens-là. Aider ces gens-là, les amener vers le paradis. Parce que ça aussi, si on ne le fait pas, puis on est à côté des non-musulmans, ça aussi, ça va se retourner contre nous au jour du jugement. Parce que lui, il va dire, mais moi, je ne savais pas. Mais lui, il était musulman, il était à côté de moi, il ne m'a rien dit. Il ne m'a jamais parlé de l'islam. Il travaille avec moi, il ne m'a jamais parlé de l'islam. Il est avec moi à l'école, il ne m'a jamais parlé de l'islam. Ça, c'est vraiment, on doit penser à ça. On doit sauver les gens. Donc, on doit être les meilleurs dans tout ce qu'on fait. On doit être les meilleurs à l'école. On doit être les meilleurs au travail. Pas pour le fait d'avoir l'argent, pour le fait de faire la dawa, pour montrer que les musulmans, que l'islam, c'est la vérité, que c'est une bonne religion. C'est ce qu'on doit faire. Il y a une histoire. C'est un roi, Ar-Rachid. Et puis lui, c'est un roi très riche. Il était vraiment, il était très, très riche. Et puis, il avait soif et puis il a demandé à quelqu'un qui était avec lui s'il pouvait avoir un verre d'eau. Donc, cette personne-là est venue et puis lui a apporté le verre d'eau. Mais avant de prendre une gorgée, la personne a dit, attends, Ar-Rachid, que donnerais-tu présentement pour ce verre d'eau? Si tu aurais à payer là, pour ce verre d'eau, parce qu'il avait vraiment soif, si tu aurais à payer pour ce verre d'eau, qu'es-tu prêt à donner? Et puis il a dit, je suis prêt à donner la moitié de mes biens, la moitié de mon royaume, pour le verre d'eau. Là, il l'a laissé boire. Après avoir bu, il a demandé une question encore. Le verre d'eau que tu as bu, que donnerais-tu? Parce que imaginons qu'on ne peut pas évacuer l'eau. On a envie d'évacuer l'eau, mais on ne peut pas. Il n'y a aucun moyen, puis on sent mal. Pour évacuer l'eau qu'on vient de boire, il a dit, Ar-Rachid, pour évacuer l'eau, que donnerais-tu pour évacuer l'eau? Il a dit, je donnerais l'autre moitié de mes biens, l'autre moitié de mon royaume. Et puis ça donne aussi à méditer. On doit vraiment beaucoup méditer. Donc, tout ce qu'il y a dans cette dunya, parce qu'il était vraiment riche, il y avait un gros royaume, tout ce qu'il y a dans cette dunya, ça ne vaut pas plus qu'un verre d'eau? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de gâcher notre futur éternel pour quelque chose qui vaut moins cher qu'un verre d'eau? Nous, on doit vraiment méditer à chaque jour et puis mettre nos priorités à la bonne place parce qu'il va y avoir un jour du jugement. Et puis, ici, nous sommes sur la terre. La terre, nous sommes là pour planter des graines, pour le futur, Inch'Allah. Tout ce que l'on fait présentement va avoir un effet dans notre vie éternelle. Et puis je veux pour personne, musulman, non musulman, je souhaite à personne d'être en enfer. Vraiment, c'est vraiment important. L'heure est grave parce que tout le monde fait n'importe quoi. C'est vraiment important. Il faut se remettre dans le chemin du prophète, alayhi salat wa salam. Donc, depuis que je suis musulman, moi, personnellement, je connais, oui, il peut toujours avoir des problèmes dans la vie, tout ça. Mais avec Allah, juste le fait que j'ai une connexion avec Allah, juste le fait que je suis musulman, je ressens une paix intérieure, un bonheur, le bonheur que je cherchais depuis que j'étais jeune. Que tout l'argent, que toutes les voitures, que tous les biens, que même que la drogue, même j'avais plein de filles qui couraient après moi,
tout ça, rien vaut ce que on a maintenant, ce que vous avez, votre islam. Qu'Allah fasse que nous avons une foi qui ne baisse jamais. Qu'Allah fasse que nous avons un bonheur qui ne termine jamais. Et qu'Allah fasse que nous sommes, que nous allons être au paradis, dans le plus haut degré du paradis avec le prophète alayhi salat wa salam. Merci beaucoup d'avoir écouté mon témoignage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.